Et si nous apprenions de l'expérience des personnes vivant avec un diabète pour mener une vie équilibrée, pleine et entière? Écoutons Yves Candebord, chef à la tête de plusieurs restaurants à Paris et chef de file de la bistronomie, et Léonore Marchand, jeune femme passionnée vivant avec un diabète. Il y a moyen de vivre sainement, simplement, et surtout en gardant la passion, en gardant l'émotion du goût et le plaisir. L'équilibre n'est pas le même pour tout le monde. Il va passer par plein de manières différentes. Un podcast à retrouver sur alarecherchedelequilibre.com, un programme Abbott. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix. Passé de 6 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, eh bien vous êtes sur la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire comme vous le faites encore comme tous les soirs, nombreuses et nombreux, au 7-39-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et à minuit 7, on accueille Teddy au 39-21. Bonsoir Teddy. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Teddy et quel âge avez-vous? Je vous appelle de Meaux et j'ai 24 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Teddy? Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Ok, ça marche. Si je vous parle ce soir, c'est pour parler un peu de ce que j'ai vécu il y a de ça 4-5 ans maintenant. Oui. On m'a contacté pour que je puisse parler de cette histoire-là. C'était en avril 2017. Donc, oui. À l'époque, j'avais 19 ans. Mm-hmm. Et en gros, pour faire simple, j'étais très jeune, mais du coup, c'était pas à ce moment-là, j'ai fait un AVC. Oui. Alors que j'étais en plein cours de danse. Et c'est cet AVC-là qui m'a permis, entre guillemets, de me rendre compte qu'il y a pas mal de choses dans ma vie que j'avais pas osé faire avant, même si j'avais que 17 ans. Et c'est entre grâce à cet AVC-là que j'ai eu le courage de me lancer dans une nouvelle passion qui est aujourd'hui le stand-up, même si ça fait un moment que je n'en ai pas fait à cause de la crise sanitaire. Mais voilà, on se retrouve de cet AVC où j'ai eu vraiment aucune séquelle, miraculeusement. J'ai eu la bonne idée de faire quelques scènes par-ci, par-là. Et pour moi, ça a vraiment été une révélation. Oui. Et je pense que ce petit message-là, ça peut être un petit message d'espoir pour les petites personnes qui nous écoutent. Parce que c'est vrai qu'à 17 ans, et même maintenant à 24 ans, c'est compliqué de se rendre compte qu'il y a vraiment tout qui peut s'éteindre du jour au lendemain. Oui. Moi, j'ai eu la chance de saisir cette chance-là. Aujourd'hui, je sais que dès que j'entreprends quelque chose de plus ou moins important, forcément, j'ai ce truc-là qui revient dans ma tête. J'y pense et je me dis, ok, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu as envie de le faire à fond? Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus de choses que je fais pas à fond, il y a plus de choses dans lesquelles je m'entreprends qui ne sont pas importantes pour moi, en tout cas. Est-ce que vous voulez me parler un petit peu de cet AVC au-delà de l'épreuve que vous avez traversée à cette époque, est-ce qu'il y a eu des signes annonciateurs de cet accident cérébral? Est-ce que peut-être comme l'une de nos auditrices l'a fait tout à l'heure, Lucie l'a fait tout à l'heure pour nous parler du cancer du sein et des contrôles réguliers qu'il faut faire, est-ce que vous avez eu des signes précurseurs de cet AVC? Est-ce que vous l'avez, avec du recul comme ça, vous auriez pu l'éviter ou en tout cas le prévenir? Alors pour mon cas, non. Malheureusement, je n'aurais pas pu l'éviter. Par contre, il y a des symptômes qui sont malheureusement très méconnus, j'ai l'impression, qui arrivent vraiment au moment où c'est censé arriver, quoi. En gros, pour en citer quelques-uns, vous avez une paralysie du visage. Souvent, c'est la bouche qui ne peut plus sourire.
Oui. Donc, si vous voyez quelqu'un qui fait un AVC, si vous demandez de sourire, il ne pourra pas sourire. Il y a une paralysie aussi de la moitié du corps, donc soit côté droit, soit côté gauche. Mm-hmm. Et il y a des troubles de la parole. En général, quand vous voyez ces trois symptômes-là, c'est dans les minutes qui suivent la personne qui est en face de vous a fait un AVC. Donc, ça, c'est des symptômes qu'il faut reconnaître. Malheureusement, je pense qu'ils sont trop peu connus auprès du grand public. Oui. Après, moi, pour mon cas, malheureusement, c'était pas quelque chose que je pouvais anticiper avant parce que c'était dû à, pour vulgariser un peu le truc, c'était dû à une malformation de mon cœur. J'avais une sorte de petit trou qui s'était pas bouché à la naissance. Oui. Et à cause de ça, j'ai un caillot de sang qui est monté à mon cerveau pendant que je faisais de la danse. Donc, l'activité sportive, mon cœur pompait beaucoup de sang et du coup, malheureusement, il y a un caillot de sang qui est monté à mon cerveau. Donc ça, c'est malheureusement quelque chose que je ne pouvais pas éviter. Ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Il a fallu que ça arrive à ce moment-là. Mais comme je disais, oui, pour les trois symptômes, la paralysie du visage, d'un des deux côtés du corps, plus les troubles de la parole, à partir du moment où vous voyez que la personne n'arrive pas à parler ou qu'elle vous dit n'importe quoi, ses paroles n'ont pas de sens. Moi, tous ces symptômes, je les ai eus à partir du moment où vous voyez ça en face et que la personne a fait un AVC. C'est vraiment... Il y a 910 pour que ça arrive, quoi. Je crois que votre salut, vous le devez à votre meilleur ami qui était là au moment de votre AVC. Entre autres, il était là. Il y avait mon groupe de danse aussi. Je lui passe le bonjour d'ailleurs. Mais c'est aussi lui qui Dieu merci, a mis un peu de temps quand même à voir qu'il y avait quelque chose. Mais il a quand même compris qu'il y avait quelque chose. Parce que grâce à ses proches, il connaît un peu ce genre de symptômes. Oui. Du coup, ça a été un des premiers, en tout cas, à faire comprendre qu'il fallait appeler les urgences. Oui. Parce que, en gros, ça, je l'ai su après, du coup, à mon réveil. Mais en gros, malheureusement, c'est le genre de choses qu'il faut vraiment traiter dans les minutes qui suivent. Oui, parce que très, sinon, très vite. Hein, exactement, il faut traiter très vite parce que sinon les séquelles apparaissent très vite. Et très souvent, les séquelles sont irréversibles. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a sauvé, quoi. Alors, du coup, vous dites que cette épreuve a révélé pas mal de choses de votre nouvelle personnalité. On est né un nouveau Teddy. Donc vous faites du stand-up aujourd'hui. Donc quel est votre nom de scène qu'on puisse le mettre sur notre groupe de parole Facebook et qu'on annonce peut-être quand vous montrez sur scène? Alors c'est toujours Teddy. Hein. Je m'annonce toujours Teddy. En tant que Teddy. D'accord. Ouais, c'est toujours en tant que Teddy, T-E-D-D-Y. Ouais. C'est amateur. Hein. C'est quelque chose de que je fais comme ça de façon assez ponctuelle. Après, en général, j'annonce tout sur mes réseaux sociaux. Donc si demain... je sais que demain, quand je vais remonter sur scène, je fais les annonces sur mes réseaux sociaux, que les gens n'hésitent pas à aller checker ça. Alors, votre réseau social, on vous trouve où? Sur Instagram, sur Facebook Les deux, Instagram, Facebook principalement, Teddy-CDT. CDT. D'accord, Teddy-CDT. Ouais, c'est ça. Si demain j'ai une annonce à faire, je sais que dans tous les cas, c'est une passion pour moi. Donc là, le Covid faisait que je jouais pas trop, mais je sais que c'est quelque chose que j'ai envie de reprendre, quoi qu'il arrive. Ouais, et puis vous savez que les grandes carrières ont commencé par une phase amateur. Ça, c'est pas vous qui choisirez. Si vous devez avoir une grande carrière, ça viendra. Exactement. Je sais pas si j'en ferai un métier un jour, mais dans tous les cas, je sais que c'est une passion et que. Je continuerai, ça c'est sûr et certain. Eh bien super Teddy, merci mille fois pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 et puis on va mettre vos coordonnées de vos réseaux sociaux sur notre groupe de parole et puis on aura l'occasion peut-être d'aller vous voir sur scène. Avec grand plaisir. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Aussi, bonne soirée. Au revoir. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Il est minuit 14 sur Europe et nous accueillons Gaëlle maintenant au 39-21. Bonsoir Gaëlle. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir Gaëlle. D'où nous appelez-vous Gaëlle ? De quelle région ? Bretagne. Bretagne. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ? C'est compliqué. Ah. Et moi j'aime bien les affaires compliquées, vous savez. On va essayer de démêler tout ça. C'est du harcèlement, pour commencer. D'accord. Donc tout ça, ça a commencé... C'est mon frangin. Donc déjà, il y a 20 ans, il y avait eu un premier clash. On ne va pas parler de ça, ça va être trop long. Donc là, le harcèlement, ça fait 4 ans que je suis là-dedans. Oui.
Tous les deux, nous sommes dans des propriétés qui appartiennent à mon père. Donc, lui dans une grande maison avec jardin, moi dans une petite maison, oui, dans le même village. On est pratiquement voisins, d'ailleurs. Et suite à une rupture amoureuse, j'ai souvent été dans occupé ce jardin. Oui. Et juste pour le jardin. Bon, mettre un peu de linge, prendre un café, et après, bon, après chez moi, parce que moi, je n'ai pas de jardin là où je suis. D'accord, et puis c'est la propriété de votre père, comme vous me l'avez dit, donc voilà, vous avez le droit des deux, de... Des deux. Oui, vous avez le droit d'être dans ce jardin, je suppose. Oui, mais je sentais qu'il y avait une pression qui montait. D'ailleurs, ça a commencé par du linge coupé, du linge avec Javel, et j'ai essayé de lui parler, de le rassurer, de lui dire « moi, je ne viens pas ici pour la maison, t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention d'y retourner parce qu'on a cohabité aussi dans cette maison, c'est juste pour le jardin, puisque je n'ai pas de jardin. Oui. » J'ai vu que là, la pression montait. Déjà, j'aurais dû partir à ce moment-là. Voilà. Même si j'ai le droit d'aller là-bas, j'aurais dû laisser courir parce que je ne savais pas la suite encore. Ensuite, ça a été la voiture. La voiture a été massacrée, je la planquais, je rentrais à pied chez moi, j'ai pris des garages sur Brest, je revenais du travail. En général, les garages n'étaient pas esquintés, mais la voiture était abîmée. Oui. Et la voiture a commencé à être abîmée dans le jardin. Hein. Alors c'était... c'est vache parce que c'est, bon, par exemple, des rayures, puis après on met du... Je ne sais pas, ça, du produit qu'il a ferrouillé, voilà, exactement. Bon. Après, je l'ai planqué dans des villages, je prenais des taxis, je rentrais à pied. Et là, j'ai un couple d'amis ici dans ce village qui l'ont pris en garde pendant 4 ans. Quoi. C'était une voiture qui ne roulait plus. D'accord. Et j'avais toujours dit, quand la voiture ne bougera plus, ce sera mon tour. Et maintenant, c'est mon tour. Donc, depuis le mois de septembre, là, je suis tracée dans Brest. Alors, au début, c'était beaucoup des gens du voyage, des migrants. Enfin, des gens assez particuliers. Et c'était juste une surveillance. Mon père a un appartement sur Brest, donc j'y allais en dépannage. Mais moi, ce que je veux, c'est tous les soirs rentrer dans mon village. Ben oui. C'est pas rester à l'appartement. Et souvent, je trouvais, voilà, tiens, elle est... Alors, un texto, un petit sourire, c'était pour un sourire en coin, ça veut dire, bah, tiens, elle est là, voilà, elle est là. Mais là, depuis le mois de, on va dire, d'avril, donc j'ai ma mère qui a été témoin de ça et une amie, c'est-à-dire n'importe où, dans n'importe quelle boutique où je rentre, ils sont là. Ça peut être, on voit, ils ne sont pas discrets, hein, il y a le sale regard, mon portable a été piraté, j'ai été à la gendarmerie signaler ça et autre chose, ils m'ont dit c'est très difficile de pirater un portable, et pourtant je pense que le portable, oui, j'ai des preuves qu'il a été... Quelle preuve vous avez qu'il a été piraté alors ? Ou alors je suis tracée avec le portable, on va dire. Qu'est-ce que vous appelez tracée en fait ? C'est-à-dire que quand vous avez votre portable sur vous, vous voulez dire que les personnes qui vous suivent savent exactement où vous êtes ? Ouais, voilà. Mais comme après le portable a été abandonné, cette personne connaît mes habitudes, donc c'est facile de me faire tracer. On sait très bien où je vais quand je vais en ville, on sait très bien où je vais quand je suis au village. Donc là, j'ai fait la serveuse, j'aimais beaucoup hein, mon boulot cet été, comme l'été dernier. Et ne pouvant pas avoir de véhicule, c'est mon patron qui me ramenait chez moi, parce que le taxi, ça va bien un moment. Alors, j'ai dû rentrer 2 fois à pied, je crois. Une fois, j'ai été à vélo aussi. Bon, c'est pas trop ça. Hein. Quand on est serveuse, on n'a pas besoin de... J'aime bien le sport, mais bon, quand même. Et là, j'ai eu cette année, alors là, ça a été très virulent parce que j'ai eu des faux clients en salle, quoi. Voilà, des faux clients. Alors, ça a arraché la... Il a tout un réseau qui s'est mis contre moi. Au début, ça payait beaucoup. Je pense que c'était vraiment l'argent qui faisait ça. Mais là, il a un réseau. Et j'ai des regards. Je pense qu'il il a dû me créer un faux profil, quelque chose, une application sur moi, sur un site, sur je ne sais pas où. Alors, il y a des gens qui ne me calculent pas du tout, hein, ça arrive, mais alors il y en a d'autres en voiture, j'ai des yeux comme ça, je ne sais plus quoi faire. Mais... Parce que j'ai dû arrêter de travailler par rapport à ça, même les 2 dernières semaines, je suis passée que le soir et non pas midi et soir. Mon patron a très bien compris la situation, il m'a dit, s'il y a une table qui vous embête, on la prend en charge, c'est arrivé. Oui.
Voilà, je suis pieds et poings liés, donc j'ai pas le droit d'avoir de portable, j'ai pas le droit d'avoir de prendre bah, la voiture. Elle est pas passée au contrôle de toute façon, et vu dans l'état où elle était, esquintée, c'est pas la peine de faire les travaux dessus. Alors pas de voiture, pas de portable, oui. pas pouvoir bosser. J'ai vu, je gardais des enfants. En ville cet hiver, alors pendant la garde, ils étaient tranquilles et je les avais en sortie de garde, voilà. Et pourquoi vous en veut-il comme ça, votre frère, à votre avis ? Alors, la voiture au départ a été esquintée, donc j'ai quand même été à la gendarmerie. Oui. Je devais avoir pendant une semaine une voiture de location. Comme c'était une nouvelle société, il n'y avait pas le logo. J'ai dit, faites-moi quelque chose pour qu'ils voient que ce n'est pas la mienne, quoi. Ils ont mis un papier. Donc, la voiture, je l'ai eue, elle a été massacrée. Je l'ai eue 2 jours, donc 600 euros pour 2 jours, parce qu'ils ont gardé la caution. Voilà. Mais elle a été massacrée. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous a fait à cette voiture ? Massacrée. La gendarmerie, le gendarme a constaté donc un coup de pied dans la portière avant. Gauche, il y avait de la peinture bleue, elle était vraiment cabossée. Voilà, elle était sacrément amouchée du côté gauche du côté conducteur. Ensuite, j'ai deux amis qui m'ont transportée dans la voiture. Parce que je montais dans cette voiture, la voiture a été massacrée. Alors, la gendarmerie, il y en a qui sont à l'écoute, mais il y en a qui... Qui ne vous croient pas. Tant qu'on ne vous touche pas, vous êtes assez d'accord, tant qu'on ne vous touche pas, on ne fait rien. Il y a des limites. Je crains fort que même cette personne en ville ait du piston. Je pense qu'il connaît du monde, je sais que voilà, c'est pas assez fort. Je sais pas qui. Est-ce que vous avez eu un entretien avec votre frère ? Est-ce que vous avez Alors, pu j'ai essayé de communiquer il y a 4 ans. Il m'a dit médiateur. Il m'a claqué la porte au nez. Et le médiateur, il a été le voir en premier. Donc, on m'avait prévenu d'ailleurs que ce gars n'était pas bon. Bah, effectivement, il m'a dit, vous n'avez qu'à aller dans cette grande maison quand il n'est pas là. C'est ça la solution, mais non. Et à ce moment-là, je cherchais encore à aller dans cette maison. Mais non. Alors là, j'y vais parce que mes parents sont en vacances. Mais j'ai même fait passer le message avec un mec des gens du voyage qui me traçait un jour. Parce qu'il a dit, oui, je connais un peu comme ça. Je dis, mais voilà, vous lui dites, moi je lui signe un papier, je ne vais plus dans ces maisons qui me foutent la paix. Et bon, il m'a énormément sali, beaucoup, beaucoup. Alors moi, je l'ai sali, j'ai attendu beaucoup de temps avant de le salir. Beaucoup, beaucoup de temps. On peut parler en années, là. Et là, ça, il a pas supporté, donc je paye. Qu'est-ce que vous appelez le salir ? Alors, j'ai raconté ce qu'il avait fait il y a 20 ans, j'ai raconté ce qu'il avait fait dernièrement. Mais le problème, c'est que là, mon père me prête sa voiture. Oui. Donc, la voiture, l'été dernier, a été... Alors, il fait des petites fines rayures sur la voiture. Mais de la voiture de votre père ? Oui. Ouais, moi, je crois que là, j'ai parlé parce que j'en pouvais plus. J'essaie aussi, c'est un peu un appel à l'aide. Peut-être qu'il y a des gens, si je donne mon numéro, qui vont... Parce que je suis vraiment très seule dans cette histoire. Oui, je me doute, mais est-ce que vous en avez parlé à vos parents de tout ça ? Qu'est-ce qu'ils pensent ? C'est le déni total. Alors, ma mère comprend mieux, mais ils sont âgés, très âgés, et mon père, c'est le déni total. Oui. Là, ce que je vois quand je prends la voiture de mon père, parce que je l'ai encore un peu, là, c'est des poursuites en voiture, on peut dire ça comme ça. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de voitures dans ma vie. Je me suis retrouvée personnellement dans des poursuites de voitures à plusieurs reprises, alors que je n'étais pas concernée, mais bon, je me suis retrouvée dedans, Donc, je gère, mais jusqu'au jour où ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un petit accrochage. Voilà. Et mon père, il tient à sa voiture. Enfin, dès que je quitte donc la maison familiale où sont mes parents actuellement, je marche plus dans le village, je cours plus. Dès que je quitte ma maison pour aller chez mes parents qui sont pas loin, c'est un peu des petits chemins, je me fais coincer. Ou alors ils me tracent. Alors là, j'arrête la bagnole direct, je mets le clignotant quand même pour me dire que je m'arrête. Et on voit le... énervé, quoi. Attends, Gaëlle, oui est-ce que, vraiment, calmement et en essayant de considérer qu'il y a sûrement un problème avec votre frère, hein, mais est-ce que vous pensez vraiment que de l'embrouille que vous avez eu avec lui il y a quelques années, visiblement, est-ce que ça n'est pas quelque chose qui vous a
blessé, heurté, vraiment violemment, au point de peut-être de voir des choses. Non, je vous arrête tout de suite. Non, j'ai quand même une amie qui a été témoin, j'ai ma mère qui a été témoin, que quand, dans une boutique, on avait des choses importantes à faire, c'était un gars, on va dire, il est venu acheter une paire d'écouteurs, je crois, à je sais pas combien d'euros, pour voir ce qu'on faisait, quoi. Et j'étais encore dans une compagnie de téléphone, voilà. Ouais. C'est affolant. Et vous dites que votre mère a été témoin de tout ça et une amie. Oui. Alors pourquoi vous n'allez pas porter plainte à la gendarmerie? Parce que visiblement, vous avez tout le temps quelqu'un sur le dos. Donc. Depuis fin avril, c'est ça. Voilà. Et les gendarmes n'arrivent pas à établir que vous avez tout le temps quelqu'un sur le dos. Non, ça peut être jusqu'à une dizaine de personnes par jour. Ah bah oui. C'est costaud quand même. Oui. Ça peut être une dizaine de personnes par jour. Ouais. Alors en restauration, ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors ici, au début, c'était souvent des femmes seules, masculines ou des femmes seules tout court. Elles étaient repérables parce que c'était toujours une entrée, un café. Ah, ça c'était le truc. Puis après, ça s'est un peu déguisé. Il y avait des jeunes couples, il y avait des hommes aussi. Il y en a un une fois. Alors ils cherchaient le portable. Ah, ce portable, qu'est-ce qu'ils ont cherché? Ah la vache. Alors, il est arrivé là avec son ordi, mais en plus, il en rajoute une couche, c'était faux. Il a demandé, alors il a pris 9 huîtres, il a mis 1h30 à les manger, et un café. Et il est arrivé et dit, oui, je viens au resto avec mon boulot. Non, tu viens là pour chercher mon portable. Voilà. Oui. Bon. C'est l'horreur. Alors, Je ne sais pas comment vous allez vous sortir de tout ça, mais est-ce que vous en avez parlé, à part à votre mère et à un ami proche, il y a des gens qui sont au courant, oui. Même au sein du boulot. Alors là, mon patron a dit, ici, au moins, on vous protège. Mais il y en avait un qui avait contaminé tout le monde, quoi. Mais donc, vous travaillez toujours? Non. Alors, c'est d'un côté... Alors, j'étais toujours sur la défensive. Qu'est-ce que je vais trouver? Mais en même temps, dès que je cernais la table contaminée, entre guillemets, ou s'il n'y en avait pas, hein, ça arrivait aussi qu'il n'y en ait pas, mais évidemment que ça occupe le cerveau, que c'est un peu une évasion. Je ne peux même pas aller à ma salle de sport. Je peux même pas aller à la piscine. Ouais. Rien. Alors, soit ils sont là en train de me tracer, ils disent rien. Je vois bien que je suis tracée, c'est trop, c'est pas discret du tout. Ou soit j'ai les sales regards, voilà. Jusqu'au jour où on me touchera. Un jour, ça va arriver. Mmh. Bon, j'espère que ça n'arrivera pas. En attendant, vous ne vous sentez pas fatigué un peu? Ou vous pensez que tout ça est vraiment, la réalité? Non, au bout de 4 ans, c'est pas possible. Moi, au bout de 4 ans, non. J'avais toujours dit, quand il n'y aura plus la voiture, ben voilà, ça sera moi. Mais maintenant, c'est moi. Ce que je vous conseille, hein, c'est d'en parler, retourner parler aux gendarmes, et peut-être les gendarmes verront de quoi tout ça découle, hein, et ils prendront sans doute la bonne décision vous concernant, ou concernant votre frère, mais il faut vraiment que vous vous adressiez à une autorité, hein, ou soit, je ne sais pas, un médecin de famille, allez chez le médecin, et peut-être regardez si vous êtes suivi, et montrez ça à votre médecin. Vous avez bien un médecin de famille? Il y a un gendarme qui m'avait conseillé de faire ça. Ouais. Ben oui, ça serait bien, parce que le médecin, vous voyez, il pourrait peut-être voir, si vous êtes suivi dans la salle d'attente, voir que vous lui montriez les choses, et peut-être que ça pourrait faire émerger des solutions. Hein. Essayez d'en parler à votre médecin de famille. Ouais. Je trouve que c'est une bonne solution. À ce propos, juste en parlant de médecin, j'étais chez l'ostéo, c'était vendredi. Oui. Donc, j'avais un peu d'attente, je faisais les 100 pas dans la rue. Finalement, j'ai fini par monter. Et ben là, j'en vois un qui m'attendait. Alors, il était dans le hall parce qu'il était un peu embêté, parce qu'il y avait, je crois qu'il y a, sur cet étage-là, il y a un avocat, il me semble, un médecin et un ostéo. Donc, il attendait. Il m'a bien vu rentrer chez l'ostéo. Bon, il faisait chaud, la porte de l'ostéo était ouverte. Et il m'a vu rentrer. Ben, attends, il a vu où j'allais. Non, il a penché la tête pour voir, elle est assise dans la salle, parce que c'est une salle d'attente qui donne dans un hall. Mmh. À ce moment-là, je suis rentrée dans le cabinet, mon ostéo est ressorti pour faire je ne sais pas quoi, et je lui ai demandé, est-ce qu'il est toujours là? Oui, il est toujours là, voilà. Et est-ce que vous en avez parlé à votre ostéopathe de tout ça, que vous étiez suivi et tout ça? Oui, oui, oui.
Bon. J'ai même demandé à certaines personnes de parce qu'il y a eu un, je sais pas si ce profil est toujours sur ou est-ce qu'il il m'a fait quelque chose, hein. Il m'a fait un profil quelque part, c'est sûr, un mauvais profil évidemment. Et j'ai été pris en photo sur la plage. Mais ils ont des photos. Bon. Ils ont des photos. Écoutez, Gaëlle, écoutez-moi quand même. Ouais. Essayez d'aller voir votre médecin. Parlez-lui de tout ça, parce qu'un médecin, vous voyez, c'est une autorité. Hein, c'est une autorité qui peut agir pour vous, qui peut se rendre compte un petit peu de la situation. Et puis, si vous êtes suivi tout le temps, obligatoirement, ça arrivera chez le médecin. Et parlez-lui-en, décrivez-lui la situation, et même si vous remarquez quelqu'un, dites-lui qui, tout de suite, voir que lui il puisse voir. Et je vous dis, ça peut faire une part des choses, parce qu'un médecin, il a l'autorité, on le croit. Et puis, vous verrez ce qui peut découler de tout ça, d'accord ? Ok, hein, d'accord. Mais faites-le, Gaëlle. D'accord. Et puis tenez-moi au courant. N'hésitez pas. Ouais. Je vous embrasse, okay. Gaëlle. Passez une bonne nuit. Et merci vraiment, de m'avoir vraiment. Dit, merci. Oui, je vous en prie, mais faites ce que je vous ai dit. Vraiment. Oui, je vais le faire. D'accord. Ouais. Au revoir. Merci, au revoir. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Il y a bien évidemment certaines similitudes, hein, dans ces histoires. Et vous êtes plusieurs à m'avoir écrit et à noter. Il y a dans vos messages une idée sur ce que l'on vient d'écouter, hein, de la part de Gaëlle, et sûrement quelque chose qui ne tourne pas vraiment rond. J'espère qu'elle ira voir son médecin. Et je pense que dans ces cas-là, en fait, il vaut mieux aiguiller ces personnes-là, aller voir leur médecin en qui ils ont confiance. Et je pense que le médecin est à même de pouvoir... constater et agir. En tout cas, merci pour vos messages. Bien évidemment, nous remarquons, hein, ce genre de témoignage. Mais vous comprendrez qu'on ne peut pas laisser comme ça quelqu'un et ne pas essayer de la rattraper, de la conseiller. On accueille Fleury, maintenant, au 39-21. Bonsoir, Fleury. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Fleury ? De quelle région ? Des Vosges. Et quel âge avez-vous ? 61 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Fleury ? L'écriture. Chez moi, c'est quelque chose de profond. J'en parlais tout le temps, j'y pense tout le temps. Oui. Il y a 12 ans, j'ai eu un blocage d'écriture à cause de... Enfin, il y a une personne qui a brûlé toutes mes affaires depuis les lettres, des photos, enfin, en fait, toute ma vie. Pourquoi a-t-elle fait ça, cette personne ? Je pense que ça a été une dépression brutale. Et un pétage de plomb. Mmh. C'était pas complètement destiné à moi, ça avait rapport à une autre personne. D'accord, et cette personne, en fait, était proche de vous ? Elle vivait avec vous ou elle... Non, absolument pas, non. Et comment a-t-elle eu accès à vos photos, à vos écrits ? Parce que quand j'étais partie à l'étranger, oui. J'ai toujours beaucoup voyagé, soit avec mes parents ou moi, et donc j'avais entreposé mes affaires dans mon grenier. D'accord. Voilà, et donc ça a été un énorme choc, parce que comme j'ai toujours beaucoup voyagé, ma vie... tenait dans tous mes cartons, mes photos, mes lettres, en fait, etc. et tout, puisque ma vie, donc mes amis, mes tout ça, c'était dans des cartons, en fait, puisque je voyageais tout le temps. Et le blocage de l'écriture, ça a vraiment été un chagrin, une perte vraiment énorme, donc de toute ma vie et de mes écrits. Voilà, qu'il a... Je me doute. Et après, je n'ai plus pu écrire. J'aurais essayé, mais ça ne venait pas. C'est important pour moi, l'écriture. Ça a même été essentiel. J'ai eu 6 mois bienheureux de chômage il y a longtemps où je n'ai pas arrêté d'écrire. Mes filles partaient à l'école, j'écrivais. Enfin, j'étais bien. Le soir, j'écrivais. J'ai fait lire certaines de mes choses à plusieurs personnes choisies. Qu'écrivez-vous en fait, Fleury ? J'écrivais mes rêves, j'écrivais de la poésie, j'écrivais des nouvelles dont une a été très bien aboutie, que j'ai fait lire à
plusieurs personnes, dont mon père d'ailleurs, quand il l'a lu, qui m'a dit « il faut écrire tous les jours ». Vous n'avez jamais eu l'idée de publier lorsque vous trouviez... Non, j'en étais pas là, il n'y avait pas assez de choses abouties, et puis justement, mais j'étais dans cette idée-là, de compulser donc, toutes mes formes d'écrit, parce que j'en ai plusieurs, et d'envoyer, mais bon, voilà, donc tout a cramé. Et là, en plus, je tiens vraiment à écrire, parce que c'est pas moi qui le dis, je pense avoir un brin de talent, parce que bon, les retours que j'ai eus... Et c'est vraiment mon plaisir, mon intensité. Et moi, je voudrais retrouver la flamme de ça. Vous l'avez perdue suite à ça, en fait ? Oui. Vous n'avez jamais réécrit depuis 12 ans ? Si, bien sûr. Ah bon ? Parce que c'est impossible de ne pas écrire quand même. Mais enfin, c'était plus... j'ai couvert quelques cahiers, mais plutôt au style journal, quoi, pour le plaisir du papier et du stylo plume, mais ce n'est pas du tout du travail, quoi. Et puis c'est sans la flamme. Et en plus, je suis paresseuse. Parce que là, ça va mieux. En plus, actuellement, je suis enfin heureuse depuis des décennies où je pars vraiment bien avec plein de moments de bonheur, comme tout le monde et tout ça. Mais bon. Et là, bon, je me trouve enfin heureuse. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Florie, actuellement ? Je me suis rapprochée de... Je viens de quitter une ville mortifère, où je suis restée pendant 10 ans, mais où j'étais coincée là-dedans. Ouais. Et là, je viens de retrouver une ville extrêmement agréable, où ça bouge, où il y a beaucoup d'artistes, où il y a beaucoup de choses qui se passent à tout niveau. Et où je retrouve quelques amis, je viens d'en faire d'autres, c'est évident. Après 10 ans d'une solitude mais effroyable, je me suis rapprochée de mes filles, de mes petits-enfants. Ma mère est avec moi, ce qui est important car elle est très âgée. Et ça bouge là où je suis, j'ai besoin d'intensité, j'ai besoin de plaisir. Et donc vraiment, oui, je me sens heureuse là, oui. Bon, mais ça c'est tout de même bien. C'est énorme. D'avoir retrouvé la joie de vivre quand même, une certaine phase de bonheur. Oui, mais puis ma façon d'être enfant quelque part et tout, je sais que bon, bah là je vais aller sur les manèges. Je vais trouver des adultes aussi enfantins que moi pourrais avec moi, parce que j'aime pas aller faire des trucs rigolos toute seule. Bon, voilà quoi, oui. Et donc, vu que vous avez retrouvé un semblant de bonheur, est-ce que l'écriture... Ne renaît pas ? Est-ce que l'inspiration n'est pas revenue avec ce bonheur ? Non, mais l'envie. L'envie revient fort. Ah bah voilà, c'est bien ça. Oui, l'envie. Mais l'envie, oui. Mais il y a quelque chose qui bloque, je sens. Bon, je crois que je manque de confiance en moi. Parce ben que voilà. Vous manquez de confiance en vous, pourquoi, à votre avis ? Est-ce que... Parce qu'en fait, si j'écris, je veux que ce soit énorme, comme ce que j'écrivais. Enfin, énorme, c'est moi qui le dis. Hein. Mais enfin, bon, je veux que ce soit fort, intense, que ce soit... Et c'est fou, je pouvais rester 5-6 heures sur 10 lignes, jusqu'à que ce soit à la virgule près. Enfin, oui, bon, oui. Et là, vous êtes comme bloqué, en fait. J'ai envie et je ne sais pas trop où aller. J'avais recommencé quelque chose avec ce que j'ai une vie. J'ai eu la chance d'avoir une vie extrêmement riche et foisonnante, que ce soit dans le malheur comme dans le bonheur, avec tous ces voyages et tout ça depuis l'enfance. C'est vraiment énorme, même enrichi, c'est-à-dire que j'ai plein de matériaux, c'est sûr, et d'intensité, ça c'est sûr. Mais, donc l'envie, elle est là. C'est tout de même... C'est tout de même le matériel, il est là, le matériau, il est là, mais... C'est tout de même vital que l'écriture soit là, que l'inspiration soit là. Pourquoi ne pas... Non, alors, au niveau de l'inspiration, justement, alors c'est ça le problème, en fait. J'avais recommencé quelque chose par rapport à tout ce qui est riche et foisonnant et tout. Je me suis dit, bon, autant, vu que je n'ai plus l'imagination qui sort comme ça, à la flamme, donc, que je n'ai pas encore retrouvée,
que j'espère que je vais retrouver. Alors je m'étais dit, bon, bah, je vais commencer par quelque chose qui soit plus concret, c'est-à-dire travailler, écrire sur tout ce passé foisonnant, quoi, et merveilleux. Et voilà, fort, et... j'allais vous soumettre de partir d'une fenêtre, d'un paysage, de décrire une odeur, ce que cette odeur vous rappelait. J'allais vous proposer de déclencher à nouveau le réflexe de l'écriture par des choses simples de la vie que vous pouvez, avec visiblement l'expérience que vous avez de l'écriture antérieure, vous devez retourner progressivement avant que l'inspiration revienne, comme une sorte d'écriture automatique, vous voyez, où vous décrivez tout ce qui est autour de vous, avec vos mots, avec vos sensations, et peut-être que cela peut être un début plutôt comme un galop d'échauffement, vous voyez, et que l'inspiration peut venir ensuite, vous voyez, parce que souvent l'écriture, c'est en écrivant que quelque part, même l'inspiration monte, l'écriture automatique. Parfois, vous voyez, lorsqu'on écrit des textes, et surtout de la poésie, on va écrire nos plus beaux textes du premier jet, comme ça. Parce que... Ça m'est arrivé. Hein. Et ben oui, je me doute que ça vous est arrivé. Et on a pu écrire avant 10 textes, 20 textes qui n'avaient aucune saveur à nos yeux. Qui pouvait en avoir pour les lecteurs proches de vous, mais qui, à vos yeux, n'était pas abouti. Et j'ai écrit moi-même, avant de la poésie, pour de la musique, et je me souviens avoir été en panne d'inspiration et de m'être remis en selle en essayant de décrire autour de moi ce que je voyais. Et... comme une espèce d'alchimie que l'écriture procure lorsqu'on décrit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une odeur qui nous ramène à l'enfance, une couleur. Vous voyez des choses autour de vous, ou vos parents qui sont là devant vous et que vous décrivez comme ça sans qu'ils le sachent. Ça peut vous faire revenir un automatisme de l'écriture et puis... Je comprends bien. Découvrir après comme si vous dépoussiériez l'inspiration, vous voyez, parce que si elle est là, comme vous semblez le dire, elle va venir. Oui. Ce qu'il y a, c'est que j'ai deux craintes. Qu'est-ce que je suis très timorée en fait. Hein. J'ai deux craintes, c'est d'être dans la dispersion. Et donc, dans quelque chose auquel je ne m'accrocherai pas, qui ne m'accrocherait pas. En tout cas, essayez de faire cela dans un premier temps. Essayez d'écrire, avec l'expérience que vous avez, d'écrire et de décrire ce qu'il y a autour de vous. Oui. Et, tentez cette expérience-là. Parce que vous allez déclencher déjà... quelque chose, vous me disiez tout à l'heure que vous étiez un peu paresseuse. Il faut se forcer à prendre ce stylo. Et vous savez très bien que parfois, l'écriture vient comme ça, au bout d'un moment où on s'est forcé, où on est dans le trou, là, dans le vide. Je sais que quand elle vient après, ça y est, je suis rapproché. Voilà. Alors, tentez ça, et puis vous me donnerez des nouvelles, d'accord ? Oui. Je vous embrasse. Ma chère Florie. Je vous embrasse, Olivier. Et puis, bonne chance à vous, en tout cas. Hein. Merci. Au revoir. Au revoir. Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1. Il est minuit 44 sur Europe 1 et nous accueillons Lou qui nous appelle ce soir pour réagir à l'appel de Gaëlle que nous avons eu tout à l'heure. Bonsoir, Lou. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. Tout d'abord, je suis très contente de vous parler. J'aime beaucoup tout ce que vous faites, aussi bien à la télé qu'à la radio. Merci beaucoup. Voilà, la Libre Antenne, je la connais depuis longtemps. Ça fait une vingtaine d'années que j'écoute. Pas toujours de façon continue. J'ai arrêté pendant des années, puis j'ai repris. Voilà, alors j'étais très inquiète
du témoignage de Gaëlle. En fait, oui. J'ai pas vraiment écouté ce qu'elle racontait, mais j'ai entendu, voilà. Parce qu'en fait, bon, elle fait un délire paranoïaque. Complètement, oui. Alors, si elle nous écoute, elle va pas être très contente de ce que je suis en train de dire. Je ne pense pas qu'elle nous écoute, en plus. Voilà. Je ne pense pas. Voilà, parce qu'en fait, moi, j'ai vécu ça il y a 17 ans, oui. En 2004, suite à un gros stress au travail, beaucoup de surmenage, et suite à une mutation. Qu'appelez-vous une mutation ? Une mutation, en fait, je travaille dans un ministère, hein, je suis fonctionnaire. Ah oui, d'accord, une mutation professionnelle. Changé, voilà, une mutation professionnelle, et sur mon nouveau poste, ça se passait très mal, et j'ai fini par croire que j'étais sur écoute, que les RG étaient à ma poursuite, enfin, des choses aussi délirantes que ce que j'ai pu entendre ce soir. Et vous savez, Lou, je reçois beaucoup d'appels comme ceux-là. D'abord... Que Florian et Julia reçoivent, et depuis 2 ans que l'on reçoit, et c'est vrai qu'on essaie de filtrer, et puis par moment, voilà, y a quelque chose qui fait que ça passe. Elle avait une diction parfaite. Hein, oui, mais il y a des choses que l'on retrouve. Il y a dans tous ces témoignages quelque chose que l'on retrouve, cette espèce de délire de persécution. Qu'on suit, que et le moi, téléphone c'est... est tracé. Que... Voilà. Mais vous savez, quand elle parle de tout ça, elle en est persuadée parce que moi, à l'époque, je parlais, mais c'était ma réalité. Bien sûr. Je me disais, les autres ne comprennent pas parce qu'ils ne voient pas. Ce sont des pièges. J'étais vraiment dans cette réalité. Et ça devait être délicat de vous... De vous absolument. Contredire, de vous dire que impossible. Peut-être... Impossible, c'était impossible, absolument, c'était impossible. Et en fait, c'est mon compagnon qui m'a fait hospitaliser. Parce qu'en fait, lui travaillait de nuit et un soir, il est rentré et toutes les lumières étaient allumées. J'étais dans un délire, je pensais qu'il y avait une voiture qui m'attendait à l'extérieur. J'étais dans un état d'agitation assez intense et là, il a appelé les pompiers. Heureusement, j'ai été hospitalisée, prise en charge. Oui. Et ben, on s'en sort. Hein. Oui, après, j'étais en train de me dire que vous vous en étiez parfaitement sorti. Bah oui. Bon, j'ai toujours un petit traitement de sécurité. Ouais, hein, parce que quand on vit des choses comme ça, après, on a peur que ça revienne. J'ai toujours une fragilité, hein. Je supporte pas le stress, etc. Mais j'ai une vie tout à fait normale où je travaille, je pars en vacances, Alors, et c'est pour ça que cette jeune femme, il faudrait, elle s'en rendra, pas absolument compte. Pas. Ce que j'espère en appelant, c'est que son entourage m'entend, nous entend. Oui. Et que son entourage, que ça leur mette la puce à l'oreille. Mais sachez que quand nous recevons un coup de téléphone comme ça, on essaie par tous les moyens d'obtenir le numéro de téléphone d'un proche. Et c'est ce que nous allons essayer de faire aussi pour Gaëlle. C'est ce pourquoi... Enfin, là, j'ai bien vu que vous l'aviez aiguillé vers un médecin. Oui, parce que je pense qu'à un moment, dans son entourage, on ne peut que constater qu'elle est dans un vrai délire paranoïaque et que à un moment, quelqu'un va intervenir et qu'un médecin est en charge de... C'est son devoir d'intervenir et de faire jouer les autorités qui sont là et qui vont la protéger. Parce que le gros danger, c'est pour elle-même. Hein, bien évidemment, elle nous a parlé de poursuite en voiture. Et dans ces cas-là, elle peut se mettre en danger, bien évidemment. Bien sûr. Mais alors, j'aimerais que vous me parliez de vous, parce que j'ai la chance de vous avoir, et c'est très intéressant de vous entendre. Vous dites mutation, donc une mutation à laquelle vous ne vous attendiez pas. Ça a été un choc. Je l'avais demandé, mais en fait, ça s'est pas bien passé parce qu'en fait, j'ai pas sur le poste où sur lequel je suis arrivée, j'ai pas été accueillie. Les personnes ne voulaient pas bosser avec moi, donc j'étais un petit peu laissée dans un bureau toute seule, à pas savoir ce que je devais faire. Moi, je travaille dans l'administration et tout ça, ça m'a vraiment beaucoup angoissée. Voilà, j'avais à cœur de bien faire et j'étais pas en mesure de faire un travail correctement parce que je ne savais tout simplement pas ce que je devais faire et je n'avais pas été, il n'y avait pas eu de tuilage, je n'avais pas été briefée par quelqu'un pour me dire voilà, ça en est là, il y a tel dossier, non, du tout. Je suis arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe dans ce poste-là et puis
Donc très vite, j'ai beaucoup, beaucoup stressé et j'ai fini par faire une bouffée délirante. Oui, voilà. Oui. Et une bouffée délirante au travail ou chez vous ou Chez moi. Heureusement, ouais. Ça s'est passé chez moi. Et c'est pour ça, je vous dis, mon compagnon est rentré du travail. Et quand il m'a vu dans cet état-là, il a appelé, il a pris le téléphone, il a appelé les pompiers. C'est très difficile parce que moi, je lui arrachais le téléphone des mains en lui disant « Mais non, c'est un piège, n'appelle pas !» J'étais vraiment dans un état de confusion et terrible. Vraiment. Oui, c'est mais il a eu quand même le bon réflexe. Il a appelé ma famille, évidemment. Donc après, j'ai été hospitalisée. Et la mort dans l'âme, il a dû me faire hospitaliser. Ça s'appelle une demande c'est une hospitalisation à la demande d'un tiers. Oui, à la demande d'un tiers. Mmh. Mais je en voulais. Je lui disais, mais non. Puis on n'était pas mariés. Donc je lui disais, t'as aucun droit, on n'est pas mariés. Enfin, je me retournais contre lui parce que je trouvais ça injuste. Je me disais, il va me faire enfermer chez les fous. Et en fait, c'est la meilleure chose qu'il ait faite. Complètement. Parce que, voilà, j'ai été suivie. J'ai pris des médicaments forts, oui. Bien sûr. Au bout de combien de temps on vous a sorti de là, Lou ? Je ne suis pas restée très longtemps. La première hospitalisation, je suis restée 15 jours. Oui. Au bout de 15 jours, comme je ne supportais pas trop l'hospitalisation, ils ont décidé de me remettre chez moi avec mon traitement. Mais j'ai été hospitalisée de 2004 à 2008, trois fois. D'accord. J'ai fait une fois 15 jours, une autre fois en 2006 et la dernière fois en 2008. D'accord. Et voilà. L'origine de tout ça, parce que vous voyez, j'ai un ami très proche qui régulièrement, alors quand je dis régulièrement, c'est tous les deux ans à peu près, surmenage de travail, émotion un peu. C'est un petit peu le rythme. Hein. Ouais, et d'un seul coup, ça dévisse. Et il rentre dans une... Alors lui, ce sont des délires un peu fantasmagoriques, voyez-vous. Et on voit qu'il dévisse. Et bon, il est assez bien entouré aujourd'hui pour que nous agissions, les uns ou les autres. Dans le cas de Gaël, ce qui... Voilà, je vous promets que dès demain, on va essayer de voir ça. Et je vais la rappeler et essayer de la persuader qu'elle me donne le numéro de son père ou de sa mère, même si elle les décrit comme des vieilles personnes. Mais je pense quand même qu'elle a l'air bien établie. Elle travaillait il y a peu, donc il y a quand même des chances que je puisse lui faire dire quel est le nom du restaurant dans lequel elle travaille, ou en tout cas qu'on puisse intervenir. Parce qu'elle a l'air quand même d'avoir eu un emploi il n'y a pas si longtemps, en fait. Donc, oui. Mais justement, bon. Il me semble que j'ai bien compris qu'elle n'a plus son emploi. Non. Donc non, ça, non. C'est, voilà. Donc c'est déjà un début, voilà, de rupture sociale. Oui. Et c'est vrai que elle est pas sur la bonne, elle est sur la mauvaise pente là pour le moment. Elle est sur la pente, comme je vous dis, on a eu juste avant juin, on a eu un appel. On a eu un appel il n'y a pas si longtemps que ça pour. Une dame qui nous parlait d'un problème qu'elle avait eu avec son voisin. Bon, au début, voilà, elle se présente comme ça, et c'est vrai qu'on prend des appels spontanés et qu'elle est passée à travers nos radars, hein, parce que ça peut arriver, malheureusement. Mais je dis malheureusement, mais au final, peut-être que c'est un mieux si on arrive à intervenir. Mais c'était les mêmes mécanismes de paranoïa avec le téléphone. L'ordinateur, le téléphone, souvent aujourd'hui, l'ordinateur et le téléphone ont été pris, ont été piratés. Il y a des gens qui sont toujours là, qui prennent en photo, qui observent. C'est ça. Et je ne sais pas pourquoi, dans ces délires-là, il y a une fixation sur quelque chose. Excusez-moi. Je vous en prie. Moi, c'était sur les écoutes. Moi, j'étais persuadée que j'étais mise sur écoute à mon travail, qu'on m'écoutait, voilà, que quand je téléphonais, j'étais sur écoute, et que c'était les RG qui me poursuivaient, voilà. D'accord. Après, on en rigole, hein, quand c'est pas possible que j'ai pu penser ça sérieusement, mais... Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, vous, quand vous y pensez, vous dites que vous en sauriez, mais est-ce que parfois ça vous angoisse quand même de... Est-ce qu'on vit avec la peur de rechuter ? Oui,
Oui, bien sûr. Ouais. Là, j'ai passé des vacances un petit peu éprouvantes parce que je me suis occupée de ma belle-mère qui a des problèmes de santé, de démence vasculaire. Je suis partie en vacances en famille avec ma sœur aînée qui a aussi des soucis de santé. Donc, je n'ai pas eu des vacances super reposantes. Mmh. Et là, je suis revenue... Un peu surmenée. Et voilà, je sens... Maintenant, je me connais bien. Je connais bien ma pathologie, et je sens que là, ce sont des moments de faiblesse et qu'il faut que je fasse attention. Oui, voilà. Il faut faire attention à pas... Voilà. Parce qu'il y a toujours des signes. Hein. Le sommeil, l'état de nervosité, voilà, il y a plein de choses qu'on peut... qui peuvent nous alerter, en tout cas. Mmh. Situation de... Mais sinon, sur l'origine, ce sont des psychoses. Hein. Des psychoses. L'origine, c'est même les médecins ne savent pas exactement si ça vient d'un terrain génétique, familial. Enfin, je pense que de toute façon, c'est la composante de tout ça en même temps. Mais moi, dans mon cas personnel, je pense que c'est aussi une histoire familiale. Voilà. Parce que quand je suis avec ma famille, je pète plus facilement les plombs que quand je suis pas avec eux. Mais oui, mais parce que je pense que le surmenage, hein, les nerfs en fait craquent. Je pense que c'est en relation directe avec notre cerveau, et il y a d'un seul coup un truc qui glisse. Et les traitements en fait qui sont réservés à ce type de crise en fait sont des traitements lourds ou finalement Oui. Ce sont des traitements lourds. Bah, alors quand on est hospitalisé, évidemment, on a des traitements plus lourds. Hein. Ensuite, quand on vous laisse sortir, vous avez des traitements, les traitements diminuent et puis vous êtes suivi. D'accord. En général, ce sont des neuroleptiques. Hein. Ce sont des antipsychotiques. D'accord. Que l'on prend à vie. Que l'on prend à vie. Alors, il y a des gens qui pensent qu'il faut le prendre. Je vous ai dit, j'avais été hospitalisée en 2004, 15 jours. Oui. Et quand j'ai voulu, parce qu'au début, j'étais anti-médicaments, je me disais, je vais arrêter cette saloperie qui m'a fait prendre 30 kilos Heureusement, j'avais un poids de départ qui était très bas. Donc, voilà, je ne suis pas devenue obèse. Mais, le problème de ces médicaments, hein, c'est que souvent, ils font grossir, en fait. Ils font grossir et puis ça rend apathique, voilà. C'est pour ça, au standard, je disais à Florian que j'ai une petite dose de sécurité, une toute petite dose qui me permet quand même de ne pas être assommée et qui, voilà. Alors que je prends maintenant sous forme de gouttes, ça me permet de moduler, voilà. Oui, oui. Si je vois, voilà, que ça ne va pas trop, bah, j'augmente un petit peu et... Bon, évidemment, j'ai mon médecin à qui j'en parle. Hein. Je ne fais pas ça toute seule, mais voilà. Oui, mais bon, on peut vivre tout à fait normalement quand même. Oui, mais, et puis, j'ai fait aussi une psychanalyse pendant 9 ans. Mmh. Vous pensez que ça peut aider, là, qu'il y a un rapport? Ben, moi, la psychanalyse, ça m'a surtout... Enfin je dis psychanalyse, mais c'était une psychothérapie. Hein. D'accord. J'étais en face à face. Je n'étais pas allongée. C'est mieux, ça. Parce que quand on a des psychoses, le fait d'être allongée, c'est pas conseillé on est trop au contact de ses émotions et ça peut, exactement comme vous dites, ça peut vous embarquer très vite. Ouais. Donc moi, j'étais en face à face et c'était vraiment de la psychothérapie, du coaching, donc une possibilité comme moi je peux le faire avec des personnes qui me le demandent, un échange et donc une progression dans la connaissance de soi-même, et donc là où on met finalement une sorte de forteresse médicamenteuse qui nous protège, mieux se connaître soi-même, c'est aussi apprendre à ne pas glisser, en tout cas, et à connaître les choses qui nous font glisser. Voilà, c'est ça. Et c'est dans ce sens-là que ça m'a aidé, la psychothérapie. Oui. Eh bien, écoutez, merci mille fois, Lou, pour votre intervention. Je vous en prie, et puis j'espère que Gaëlle va s'en sortir. Soyez rassurés sur le fait que j'appellerai demain, en tout cas. Bah, ça, j'en doute pas. Je vous embrasse, passez une bonne nuit. Merci beaucoup. Au revoir, Lou. Également, au revoir. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de cette émission. Demain, nous essaierons de vous donner des nouvelles de Janine et de Valérie. On va essayer de prendre des nouvelles, savoir si la situation a évolué. En attendant,
Il est minuit bientôt, donc non, il est une heure bientôt, donc prenez soin de vous, allongez-vous tranquillement, respirez bien, pensez à vous, à votre corps, ce temple de la nature.